Ceci, c'est une équation du deuxième degré à une inconnue, dont voici les formules de résolution. D'abord, il faut s'assurer des valeurs de A, B et C. A, c'est le coefficient de x carré, c'est-à-dire ce 3. B, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire ce moins 2. Attention, ne pas oublier le moins. Et C, c'est le terme indépendant, c'est-à-dire 5. Le discriminant delta se calcule par b carré moins 4ac, donc dans notre exemple, c'est moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois 5. Ça donne donc 4 moins 60, et il ne faut même pas calculer cette différence pour voir qu'elle est strictement négative. Donc, nous sommes dans le deuxième cas, et l'équation n'a pas de solution, l'ensemble solution est donc vide. L'ensemble vide s'écrit comme ça, ou bien comme ça. Il ne faut pas être trop triste. Si cette équation n'a pas de solution, le mathématicien a réglé ce problème en élargissant l'ensemble des nombres réels à l'ensemble des nombres complexes. Et dans l'ensemble des nombres complexes, cette équation a deux solutions différentes. Celui qui s'intéresse aux nombres complexes peut toujours aller regarder le tutoriel F6018 dans lequel on voit les nombres complexes en détail.